Bonjour à tous et bienvenue sur Benoît 494 pour la suite des aventures du Chevalier Noir, le Batman, le Dark Knight. Donc, Batman Origins, qui se déroule 5 ans avant les événements de Batman Arkham Asylum. Et 2 ans après l'arrivée du Batman à Gotham City. Donc le Joker n'existe pas. Pas encore vraiment, ce n'est pas encore un des ennemis du Batman. Ah, c'est par là. Voilà, je suppose qu'il doit y avoir tout un tas de trucs dans cette salle, mais on va pas chercher plus loin. Voilà, on s'ouvre la porte. Voilà, donc les premiers ennemis du Batman à cette époque-là sont donc Roman Sionis et la pègre de Gotham, du genre Carmine Falcone, tout ce genre de personnes. Voilà, bonjour les gars, excusez-moi, j'étais en train de parler et vous étiez en train de parler par-dessus ma voix, c'est super désagréable. Voilà, au nom des viewers, ça vous apprendra. Ok, donc là, il y a un codeur. Donc, on devrait pouvoir craquer ça avec ça. Ah, c'est peut-être ça que j'aurais dû faire. Améliorer ce truc. Ah oui, non, on peut pas le craquer, apparemment. C'est pas la peine. C'est pas la peine, ce truc brouille tout. Ils utilisent un protocole de sécurité que je ne connais pas bien. Voilà. Et les fenêtres sont en verre blindé. Tu l'as. Le brouilleur dans le local décelé pourrait faire l'affaire. Ok, donc on va dans le local décelé. Ah oui, non. Oups, pardon. Bonjour messieurs, excusez-moi. Je fais que passer. Voilà, pardon. Ouais, je suis vraiment désolé, c'était pas prévu. Accéder au local décelé. Je dois trouver un autre chemin. Le local décelé, monsieur? Eh bien, selon ses plans, il se trouve à côté d'une vieille cage d'ascenseur à laquelle on accède via l'infirmerie. Vous devriez pouvoir entrer par là-bas. D'accord. Je l'ai indiqué sur votre carte. Donc, via l'infirmerie. Donc, il faut trouver l'infirmerie. Donc, la salle des serveurs, en fait, c'est ça. Et... Ah bah, à tous les coups, c'est avec les prisons. Non? Non, ils ont pas dû mettre l'infirmerie loin des cellules comme ça. Ok, défenseur de Gotham. Ouais, c'est le Batman. Hop, c'est ouvert. Ici, là-dedans, on peut pas y aller. Non. Non, on peut pas. Ok. Donc, bah là, c'est une descente à la Batman. Donc on est près des cellules. Ici se trouve la morgue. À tout le personnel, on signale notre 622 aux étages inférieurs. Il faut des équipes de sécurité dans ce secteur immédiatement. La chambre de sécurité. Où il y a personne. C'est classe. C'est classe, c'est classe. Les cellules. Ah. Il est monté là-haut. Hop. Vous voulez une émeute? Laissez-moi sortir. Il y a des caméras dans le coin. On peut laisser sortir personne. Là maintenant. Si on laisse sortir ce taré, ce sera un problème. J'ai dit. Laissez-moi sortir. Et moi j'ai dit, on laisse sortir personne. Mais il n'y a pas de mal à lui parler du système de verrouillage de la porte là-bas. Si j'étais vous, je ne traînerais pas. On te laissera bientôt tranquille. Oh oh, ça c'est Bane. Donc, détonateur à concussion.
détonateur à concussion. Non. Ça, c'est la balle fumigène. Ah, ok, c'est celui-ci. Y en avait un qui avait un flingue, je crois. Ouais, j'aime autant que ce soit lui qui se mange là. Ça fait bizarre quand on passe dans le... Ok, ça, c'est fait. Mais je sais pas juste pourquoi je suis venu ici, en fait. Qu'est-ce qu'il voulait, Bane? Bah en fait, j'aimerais bien que vous sortiez, les gars. Moi, ça m'éclaterait. Parce que là, c'est pas pour me plaindre, mais on se fait un peu chier, quoi. Ah non, hein? Ah, mais c'est là, l'infirmerie, d'accord. Comment je fais pour rentrer dans cette infirmerie? Tu veux bien arrêter de taper sur les barreaux comme ça, s'il te plaît? Non, sérieux, c'est... C'est juste énervant. Je l'ignore, je l'ignore. Pour le moment, ça a pas l'air d'être par là. On va peut-être aller voir si dans la morgue il n'y avait pas un truc. Parce que là, ça a pas l'air d'être par là en fait. Hein. Il y a bien ce truc là, mais on peut pas le... Non, le bâtard ne le prend pas. Donc, on va aller voir la morgue. S'il y a un accès à la morgue. Hop! Allez, on se manie un peu le Batman. On n'a pas accès à faire. Ah bah non, apparemment. On peut pas y accéder non plus. Voilà qui est ennuyeux. Oui, d'accord, il y a des trucs devant. Donc là... Là, c'est un peu bizarre. Là, c'est un peu bizarre. Tac. Ici, là, il n'y a rien d'autre. Mais par ici, bah non, il n'y a rien, on peut même pas rentrer dans ce truc. Non. C'était vite. Est-ce qu'il y a un truc auquel on peut s'accrocher? Non. Ok, donc là, ça, c'est pas bon non plus. Bah voilà, on tourne un peu en rond là quand même. Mais qu'est-ce qui se passe, Benito? Comment que ça se fait que tu trouves pas la solution à ce casse-tête? Faut peut-être juste appuyer dessus si ça se trouve. Ah bah voilà. Voilà, non bah alors... Alors, vous avez le droit de le dire, ouais, ouais, ouais. Ouais, je suis un boulet.
Parfait. Vous avez atteint l'infirmerie. Maintenant, cherchez l'entrée d'une vieille cage d'ascenseur. Cela vous conduira au local des scellés. C'est une vieille cage d'ascenseur qui me conduira au scellé. D'accord. Je suppose que ça va être ça. Voilà, un petit coup d'explosif. Et on y est. Alors. Donc on a deux chemins possibles. Il y en a un par là et un par là. Donc par là c'est vers la morgue. Ah oui, non, ça marche pas. Ok. Hop. On grimpe. Hein. Et nous voilà dans ce qui semble être la salle des scellés. Donc. Qu'est-ce qu'on a là-haut? Une caméra. On peut se la faire, non? Non. Et, ok. C'est à ça que sert ce truc. Donc. Il était où? Il était là. Voilà. Il est là. Voilà, ça s'est ouvert. Un secret de plus qui tombe entre les mains du Batman. Voilà, 3 sur 10. Et donc la salle des scellés. On a trouvé le brouilleur. Hop. Et voilà qui va s'avérer utile. Je devrais pouvoir contourner la sécurité sur la porte de la salle du serveur. Voilà. Ok. Donc ça, c'est vu. On a enfin récupéré le brouilleur. On va pouvoir aller dans la salle des preuves. Récupérer nos preuves. Par ici, on avait récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer. Voilà, ça je m'en doutais. Forcément, on les a laissés. Alerte. Émeute confirmée dans les cellules. Les protocoles d'urgence sont en cours. Hop là. On les a laissés réveiller, donc forcément, ils ont réussi à ouvrir la porte, on ne sait comment. Et à foutre le bordel. Voilà, donc là ça va être le moment d'utiliser le brouilleur pour la première fois. Voilà, on l'a déglingué. Maintenant, il va falloir qu'on ouvre cette grille. Le brouilleur devrait me permettre de franchir cette porte. Ah, d'accord. Ça avait pas marché. Bah si, ça a marché. C'est pas un Noël si pourri finalement. Ah, d'accord. Ça a bugué. Je l'ai fait trop tôt. Ça a bugué. Je l'ai fait trop tôt. Du coup, est-ce que je peux recommencer? Non, ça c'est le truc à conclusion.
Pourquoi il prend pas le... C'est bizarre ça. Ah, voilà. D'accord, c'est parce que j'étais trop loin en fait. Ouais, va vraiment falloir que j'améliore ce truc. Voilà, et donc on va aller botter le cul à tous ces abrutis. Déjà, on commence par ça. Comment tu... Faut se préparer à... Voilà. Aïe, aïe. Ça, c'est un vrai... ça, c'est un coup de câble dans ta gueule. On continue, on leur boxe la tronche, on leur distribue des patates. Ou alors lui. Alors lui, il aurait pas dû ramasser ce couteau. Aïe! Ah putain, mais ils sont combien à avoir des couteaux là? Merde! Il a pas pris de contre. Toi, par contre, tu vas manger cher. J'ai vu ma vie défiler. Et j'ai même pas vu Bane en fait. Il a été là 2 secondes. Il s'est échappé ou quoi? Mais il paraît aussi que... L'émeute a cessé. Envoyez une équipe là-bas pour vérifier. Ah, il a dû s'échapper, je le vois pas. C'est pour ça que... D'accord, il a dû s'échapper en fait. Il a dû profiter de la confusion pour se barrer. Je ne comprends pas. Vous les libérez pour les frapper? Je n'ai pas déclenché... J'ai pas libéré personne, moi. Brandel et les agents du SWAT. C'est ça. Un flic ferait jamais une chose pareille. Je parie que vous venez d'arriver. Brandon, c'est pas un flic, c'est un SWAT. Ça va, t'as la forme? Non mais c'est bon, t'as plus à trembler là. Hein. Arrête de flipper comme une gamine. Hop. Ici, il y avait ça. Voilà, je pense que ça doit être tout. Du coup, on peut y aller. Puisqu'il nous faut aller au serveur. Donc. Je charge. C'est bon. On dégage. 10-22 a quitté les cellules. J'ai un pouls. C'est bon, ça suffit comme ça. On l'emmène à l'hôpital de Gotham. D'accord. Dès qu'il sera stabilisé. Ok, ils leur ont fait du mal. On peut pas leur parler, non. Ils s'occupent même pas de nous. Oh. Je ne vous veux aucun mal. Y'a quoi ici? Y'a que dalle. Super. Super. Voilà, donc, eh bien, sur ce, fin de l'épisode.
Ouais, on va mettre fin à l'épisode ici. Donc, n'hésitez pas à liker ou à partager. Ça soutient la chaîne. Si vous voulez soutenir la petite chaîne Benoît494, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. J'essaye de répondre à tout le plus vite possible. Et sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour la suite des aventures du Batman.